population, un peu. La loi Mingité, mais je crois vendredi, on aura plus de temps à parler. On aura plus de temps à parler rapidement. Pour nous, on a tangi. Il y a un petit peu de temps à l'écran. Dans la publication, il y a un avocat Francisca Lombo. Tu sais, il y a un peu de temps. Il faut que je parle rapidement. Au lieu qu'on a parlé vendredi, on a mis les gars. Comme la canagui, chaque vendredi, on a passé pour nous interpeller. Il est temps que je parle maintenant. On n'a pas le temps. Parler sur la tangi que le pasteur Mokuna na prison Tonga, soi-disant partagé et pas rapidement pour une arrestation que moi je dis arbitraire. Je ne suis pas un homme de loi. Mais nous avons tous la connaissance générale. En droit, on dit la liberté est des règles. La détention est l'exception. C'est ça le droit. C'est ce qu'on dit état de droit. À savoir, un, la liberté et les règles, la détention est une exception. Le magistrat qui a arrêté, qui a mappé l'évêque Mokuna, il est allé à la contre du droit. Dieu merci parce qu'il paraît que les gens ont compris qu'ils ont fait une erreur. Alors, les doigts de l'homme a dit non, c'est pas comme ça. On a retiré le dossier. Là, c'est très bon. Donc, il mérite une punition pour corriger d'autres magistrats. Cupide, qui ne respecte pas la loi. Vous mettez quelqu'un en prison. Un homme connu, responsable, son adresse est connue. Il n'y a pas de crainte pour fuir. Il a le droit de demander être à la maison et venir se justifier comme étant un homme libre. S'il a été réellement accusé par notre soeur, soi-disant mamie. Il a le droit de se défendre. Et il a que les droits pour se les protéger en tant que citoyen. Voilà pourquoi moi je dis, c'est une arrestation. Et peu à contrer, un homme de droit est à parler. À l'état actuel, l'évêque Mokuna est en train de subir une arrestation arbitraire. Les alliés sont juste là. C'est pas normal. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi depuis avant. Voilà pourquoi, raison pour laquelle vous avez retiré le dossier entre les mains des le magistrat instructeur pour donner à un autre qui est plus intelligent. Je crois que l'autre a été manipulé par des mains noires qui veut un état de gauche au lieu d'un état de droite. Nous, on veut un état de droit. D'autres veulent état de gauche. Nous, on veut état de droit. Alors là, c'est pas normal. Et visite. Si le parce que l'évêque Mokuna a arrêté des gens en prison. Nous condamnons. Sauvons les Congo condamnent. Nous condamnons ce comportement. Il est déjà arrêté. C'est fini. C'est la justice qui gère. Et il est directeur de la prison. Tu es responsable, n'oublie pas. Quand ça arrivera, il est sous ta protection. Tout ce qui arrive à l'évêque, le directeur de la prison doit subir. Et le ministre de la justice, il y a une complicité.
On vous tient à l'œil. Souvent, les Congolais disent non. Nous exigeons, et moi, la Chabé Coutinho, j'exige la libération de l'évêque Mukuna parce que son arrestation à la prison de Makala est arbitraire, illégale. Preuve. Vous avez retiré le dossier de Mukuna entre les mains de ces magistrats pour donner à un autre plus droit que celui-là. Donc, il doit être interpellé à la justice. Au service de qui juge les magistrats. Il doit passer au truc qui se trouve vers casier judiciaire. Il doit passer par là. C'est la honte de la magistrature congolaise. Voilà, ils sont déjà à la retraite. Renvoyer le service de magistrat à la retraite. Ce sont des gens qui ont été depuis longtemps. Ils continuent. Ce sont des gens dangereux. Ils sont nombreux, ces gens comme ça. Il faut les chercher et commencer à faire partie un par un. C'est à nettoyer. Pour arriver à un endroit, il faut nettoyer les corrompus. Ou les gens qui ont travaillé avec des pouvoirs. Ou qui sont sous la domination du pouvoir ancien. Doivent partir. Et que d'autres nouvelles viennent. De nouvelles personnes viennent prendre des relais. Avec une bonne mentalité. Donc, en aimant, nous, les patriotes, nous, sauvons le Congo. Mouvement patriotique. Regroupé dans le monde entier. Nous venions dire non à l'arrestation de Mukuna. En plus, on ajoute, nous réclamons sa libération dans l'immédiat. Nous sauvons le Congo, les patriotes, les églises. Nous réclamons la libération des pasteurs Mukuna. Et maintenant, on commence à corrompre des églises, des ligablos. Vous parlez mal contre l'homme de Dieu. Quand l'évêque Mukuna était bien parlé pour vous, il était là avec vous, il mangeait avec vous, là il était homme de Dieu. Aujourd'hui, parce qu'il a failli, tout le monde tombe dessus. Ah, n'oubliez pas que tout homme est le péché. Tout homme tombe. Mais soyons sincères. Ce qu'on appelle en français la probité intellectuelle. Les gens n'ont pas honte. Il faut avoir honte. Les gens de FCC. Mais où est votre personnalité? Nous exigeons. Je demande aux pasteurs des églises. Faites des vidéos. Réclamons la libération de l'évêque Mukuna. Parce que son arrestation est illégale. Je ne crois pas. À moins que je ne vais pas au monde. Donc, Mami Chibola a envoyé des généraux pour aller piquer le pasteur Mukuna, l'évêque Mukuna en prison. Ah! Qui a envoyé un général en prison? Pour aller piquer les on peut les tuer là-bas en prison. Nous sommes dans une insécurité totale. Non. Là, vous me poussez à aller très loin. Mais non, ce n'est pas ma faute. Ah, vous poussez votre dossier très loin. Parce que moi, je vais aussi accélérer. On va vous interpeller plus vite. On n'est plus de petits enfants. L'évêque Mukuna, il est là. Moi, en tant qu'archevêque, je ne peux pas laisser un pasteur ou un évêque pour tomber par terre. Jamais. Jamais. Moi, j'ai subi. C'est fini. Oh, c'est une opportunité. 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 Oh,
Donc, filme et sili. Filme et sili, arrêtez. Filme et sili. Filme et sili. Filme et sili. Yako Boubabatou. Yako, comment ça va être invalide? Et sili. Je suis très sérieux. A vous les jeux. Sur le bowling, bon, c'est payé bientôt. Bon, côté, va partir avec nous. Gagne, ça. Et qu'il n'y a pas de nokipe. Gagne, ça. Ils sont accélérés la KI. Donc, on a le besoin légal. Un. Alors, amenez-moi un grand homme dans votre truc de FCC. Un docteur en loi, parce que je ne vois pas. Un homme intelligent. D'ailleurs, on n'a décidé jamais. Non, on a laissé. Pas laissé. Tu veux parler avec moi? Au minimum, il faut avoir un master. Là, on peut discuter. C'est ma licence. Non, pas chez moi. Pas de 6, mais au minimum un master. Là, on peut parler. La loi dit la liberté et les règles. La détention et l'exception. Donc, l'évêque ne peut pas être en prison tant qu'il a une adresse connue, un homme connu. Il peut répondre à l'invitation des magistrats. Il peut y avoir une confrontation entre lui. Si on parle soi-disant des viols, soi-disant, ou parce qu'il a dit qu'il va porter plainte, si on lui a porté plainte contre soit la famille de Mosé. Mais c'est simple parce qu'on a Ibrahim est là. On réclame depuis longtemps une seule chose. Aden, Aden, Aden. Aden, 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 Likambo, Aden, Aden, Likambo. Et on dit, il est tanzanien. On m'a dit, quelqu'un dit, Ibrahim, c'est tanzanien. D'autres disent que non. Celui qui est là, il est rwandais. Bon, toi, qu'est-ce que tu as? Donc, allons au bout. Alors, terminons. C'est quoi maintenant? Alors, Aden, 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 Aden de Macambo. Donc, tu es comme à quel est Aden? Oh, bah le but, non, Aden. Le monde est évolué. On est des intelligents. Voilà pourquoi j'ai dit, je veux parler avec des gens qui sont. Fais passer des hommes intelligents. Trois doctorats. Et dans ça, doctorat, on se dit, dans le droit. Trois doctorats. Vous savez, on va regarder la vidéo. Sony. Et ça fait même la honte dans Babylon. Ma plateforme, sur FCC. FCC. Les gens qui parlent là, j'ai dit, qu'est-ce que je vois? Je rêve ou je. Chance et le repamba. Donc, nous condamnons. Sauvons les Congos. Condamne l'arrestation de l'évêque Mukuna. Et nous exigeons sa libération dans l'immédiat. Sinon, on va voir. Nous exigeons sa libération dans l'immédiat. Et jusque-là, comme on l'a mappé, le droit dit ce qu'on appelle la phrase, la présomption d'innocence. Je ne parle pas de la présomption de culpabilité, mais je parle de la présomption d'innocence. Parlons français. La langue est bien montée. La présomption d'innocence. Donc, il a droit, en tant que citoyen congolais, de la présomption d'innocence. Mokuna. Il doit bénéficier de sa présomption pour faire beaucoup de demandes de liberté comme il est arrêté. Pour beaucoup de choses. Il n'est pas condamné.
Il est présumé. Il n'est pas condamné. Alors, et si alors, moi, utiliser ceux qui toquent la justice, alors innocent, celui qui va payer, c'est moi, là, voilà. Je suis innocent. La question réclame à ce que nous, on peut se manifester. Pour nous réclamer la libération à Mokuna. Mokuna doit être libre. Il est innocent. Moi, je dis, le connaissant, je crois qu'il peut être innocent. S'il a un papier, j'ai le temps de demander un peu. Mais il dit non. Il dit, moi, je connais la femme légitime. Je n'ai pas eu la maison de la femme légitime. Je ne sais pas comment ça donner des choses que j'ai aux copines d'un ami. Ça ne marche pas. On attend le tribunal. Le tribunal. Nous tous, nous sommes soumis au tribunal. Président, toute personne est soumise au tribunal. Personne est au-dessus de la loi. C'est ça l'état des droits. Un. Et ça, deux. La présomption d'innocence. Beaucoup est présomption innocent. Je ne parle pas de la présomption de culpabilité. Parce que vous confondez. J'ai lu quelque part, quelqu'un dit, c'est au Congo où on viole une personne et la personne qu'on viole, il filme comment on la viole. Ça, c'est seulement au Congo. Et il viole, la personne violée peut revenir à la personne qui a violé pour qu'elle ait vu l'accord. C'est au Congo. On attend le tribunal. On va parler au tribunal. Le tribunal. On attend que la femme est partie prendre de l'argent. On va demander aux témoins. La femme qui a parlé, qu'on a vu des gens qui ont parti prendre de l'argent, elle va témoigner au tribunal. Donc, il y a une manipulation quelque part. Si réellement vrai qu'on a donné l'argent à l'évêque, et aussi l'évêque parle, on a porté plainte pour celui qui a tué Mosé. Là, on en parlera plus vendredi. Je pourrais vous parler de celui qui a instruit le dossier de la mort de Mosé. Le magistrat instructeur, le général Alamba, mon voisin de chambre, il m'a dit des choses. Je n'oublierai jamais. Un jour, il m'a regardé et dit, Archie, on était comme ça au marché. C'était le soir. Il dit, Archie, un jour, je ne pourrai pas être là. Mais, j'étais tout. Et tu parles pour moi, je suis innocent. Je t'ai dit pourquoi moi je suis en prison. Je connais la vérité. La vérité, c'est que je t'ai dit la vérité. Je connais très bien la vérité. J'ai parlé aussi au colonel Eddie Capend. On a discuté. J'ai compris. Alors, allons que commettre les tribunaux. On remet les procès de Mosé. Pourquoi on procès? Bah, il ne sait pas ça quand il y a plusieurs macas là qu'on a. Bah tu as mort, il y a Mosé.
Bah, innocent, bah, et bénéf... Il y a beaucoup des innocents et qui meurent. Il y a des innocents qui meurent là-bas. Oh. Tout ça, tu quoi? Tout ça, mon thème. Adakou, Satan, c'est quand mon bac. Satan a dit à Dieu, toi, tu m'as dit que moi, j'étais méchant. Regardez les hommes. Pourquoi arriver à cette méchanceté? Des pères de famille qui souffrent, qui crèvent, qui meurent. Le général Yav qui mourait me regarde dit, papa Archi, moi je suis innocent. Moi j'ai exécuté l'ordre. Et j'ai dit à Major Lukombo, parce que l'ordre m'a été donné de faire des choses. L'ordre, le général Yav, sa fille est là à Londres. D'ailleurs, elle va venir, quand je vais faire introduire le dossier pour aller au CPI. Tout. Dossier les autres, il y en a CPI. Ah, vous allez fouiller. Vous allez fouiller. Moi, je viens. Là, tu m'as. Moi, la loi. Justice, la loi. La loi. Le général Yaf m'a dit, papa. Ouais. Avec des larmes aux yeux. C'était le soir, c'était vers 21h. Il était malade, mais je n'étais pas de le voir. Papa, c'est quoi? Il respirait difficilement. Papa. Nga zaka nga innocent. Nga yi papa zaka nga ya mousa soda. Papa zaka nga yi ordre ye. Papa, ya wana sa sa ki ordre. Nga bina machoro lukumba za wana. Tu na ye. Dozo ba ordre. Et après, John Oya Wato Koufa. Il a exécuté des choses. On remet les procès. On saura qui a fait quoi. C'est on ne prend pas dans la rue. La rue meurt. La rue meurt. Parole la vérité. Allons au procès. Allons les gens des procès de Mosée. À la fin du procès, on a dit, ce dossier n'est pas clos. Ça va toujours s'ouvrir. Le dossier n'est pas clos. Et continuez. Ah, maintenant, le président qui est là, à vous, mettez un bon magistrat à relire le dossier. Bazonga. Parce que le dossier là-bas, qui est sur la télé, continue. Attention aux détenus de l'opposé de Moselle Laurent Désiré Kabila. Qui a fait quoi dans ce dossier? Qui a fait quoi? Et qui a tué Moselle? Ce n'est pas l'évêque Mukuna, c'est le procès. Le procès est là, on cache le procès. Pourquoi on cache les procès? Parce qu'on connaît, on sait pourquoi on cache le dossier. Libéraux Eddy Capen. Libéraux Eddy Capen, là, il souffre, je l'ai vu. J'étais avec cet homme. Il souffre. Il a parlé avec moi. Son cœur parlait avec lui. Il dit, je ne connais rien. Je ne sais pas comment s'est passé ces choses. Il y a une manipulation bizarre. Donc, mes chers amis, totalement pour avec Mokuna, bah, église est tellement. Mais l'église, il y a un christianisme, il va pas vendre. Oh, on doit revendre ça, Mokuna Zate. Mokuna Zamba, tellement ça y est. Seulement Dieu revend ça y est. Ce qui est l'église na yo, on peut dire que Yesu Ali Yoshua a couvert par la moukage. Pour la compter évêque, qui te demande à Nganga, à la côté de moi, au nom, à ce soir de Nganga, donc on vend des pasteurs à Mokuna. Oh, malade, ça c'est la folie. On dirait que je rêve dans tout ce qui se passe au Congo. Je rêve. On va voir les maçons qui vont passer pour dire nous. Le cercle, c'est satanique. Nous interdisons le pasteur Mukuna à partir d'aujourd'hui. C'est quoi cette histoire? Laissez l'église à l'église. Dès que Mukuna, on le considère toujours comme un évêque de l'église de Jésus-Christ. Il est évêque de ACK. Bana ACK, Moutou Alembate. Bana armée de victoire. Bana armée de victoire. Bana armée de victoire. Bana armée de Bana 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 soutenir ngati le loyo bosse soutenir ngai ki awa na poto
bon on a traitement ba lien na gouvernement na Congo faut pas avoir zo nga en ngai awa bon on a avec comment ngai awa ba lien avion ya musique tumbi bon on pesa mi ay ay na podo ngai bon ba lien donc mais ba na nga ba soutenir ngati awa donc ba na aseka to konté ko soutenir pasteur na biso avec na biso avec na biso ata cela qui rend nzambe olimpise bi bi musena nga ko ya cette fois donc hotel musai nzambe hotel musai na ko ndime na ko ndime la nzambe na ye ya solo ya ile si ya des erreurs to so to bon ça c'est parce azana elo ka mutu na bale zongi sa elo ka mutu soutien à l'archevêque Mokuna. Et s'il arrive quelque chose contre Mokuna, là on met le feu dans la boca. Ah, puis on a un dossier côté, le dossier est déjà prêt. Non, ça va confirmer si c'est bien, bien, après de démarrer ma campagne. Quand ça va confirmer si c'est bien, et démarrer. Batu Baza, oh, il est belé. Il est belé. Il est pouvoir Il est belé. Il est belé. Il est prêt. Batia. Nous pour nous mettre un SM à la Kinoana. Donc, nous avons un droit dans le bac. Nous avons un droit dans le bac. Sinon, nous avons un droit. Ce n'est pas un droit. Ah, on a un avertissement. Et nous avons un droit. Mais, pasteur, nous avons un collègue avec Mokuna. À côté de la prison arbitrairement. Authenticité de ma vidéo, c'est au tribunal qu'on verra ça. Aujourd'hui, il est arrêté. Son arrestation est illégale. Arbitraire. Illégale. Je crois que les gens ils comprennent le français. Hein? Bah, toi, FCC. Bah, comment la français? Ben, il français. J'espère. Illégale. La liberté est des règles. Toi, tu parles de soi, non? Parlez mal de loi, un peu. Le bac a un soyez. Le bac a un soyez. Parlez pas un soyez. La liberté est des règles. L'acceptation est l'exception. Le bac a un soyez. Le français est difficile. Le bac a un soyez. Le bac a comprendre. La justice, il y a la liberté. Il y a un mot de Zali à part. Je pense qu'il y a un mot Zali à solo. Il faut confrontation à la tribunal. Devant mon angoboy. Il y a secrétaire. Camille, il était qui? Mais c'est Camille. Dicab, il y a président. Tout le monde est témoin et voit. Tu connais Jamal? Jamal, tu connais? Mais c'est quand même. Je connais pas. Ah! On voit les vidéos. Là, c'est ça le jugement. Le tribunal. Tout le monde voit. Devant tout le monde. La constitution. Respectons la constitution. Moi, je parle de la constitution. Tout ce qui est dans la constitution, il y a un droit. Il y a un droit. Il y a un droit. Pendant que nous avons le droit, le professeur a droit. Tout ce qui est dans la constitution. Mais quand on a un droit, il y a un droit. Pendant que nous avons une licence, nous avons un droit. Minimum, master. Minimum, ceux qui peuvent parler avec moi, master. Nous réclamons la libération du pasteur Mokuna. Nous réclamons la libération et au jugement au cas où il est innocent, les gens vont payer tout ce qui s'est passé. Libération du pasteur Mokuna. Il est détenu. J'ai dit, bon, innocent ou pas innocent, ce n'est pas moi qui va le dire. C'est le tribunal qui va le dire. Mais pour moi, il est détenu depuis la loi que moi je connais. Il est reconnu. Bamboule est bête là, baka keming. Bamboule, c'est bête là, baka keming. Il me macam. Je peux pas dire qu'il est innocent ou fautif, non. Là, ça, c'est le tribunal. Moi, je dis que son arrestation là est illégale, arbitraire. C'est que moi, je sais, par rapport à la loi du pays, la constitution du pays. Et jusqu'à présent, à maintenant, d'après la constitution, l'évêque Mokuna, il est présumé innocent. Au Congo, il y a la présomption d'innocence. Il n'y a pas la
Parce que vous avez des culpabilités. Il faut qu'on vous enseigne. Il faut prochainement, il faut ouvrir la table, pour s'abattre au cours. Il faut pas besoin de cours. Il faut besoin de cours. Il faut besoin de cours. Il faut cours. Beaucoup pas répéter. Il faut que ça soit. Libérer avec Mukuna. Par là que je termine et j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse l'évêque Mukuna. Que Dieu bénisse Mamie Chibola. Que Dieu puisse parler dans son cœur. Que Dieu garde l'évêque Mukuna en prison. Et que les diables ne puissent pas les toucher. Que Dieu bénisse la RDC. Vive la RDC libre. Congo libre. Congo libre. Un jour, on chantera Congo libre. Un jour, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis vous tous. Amen.